Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment faire des super récoltes de fèves sous les arbres et remplacer les arbres fixateurs d'azote qui la majorité du temps ne servent à rien et donnent pas des super fruits intéressants. Autant avoir des pommes, des prunes, des pêches, des poires et un étalement plus long sur la saison plutôt que d'avoir ces arbres. A tout de suite. Donc là, je vais semer les fèves au pied d'un prunier. Donc les fèves, elles vont permettre de fixer l'azote au pied de l'arbre. On va les récolter au mois de juin. Et pour les planter, en fait, on les enfonce comme ça avec le doigt. Il faut les enfoncer à peu près à 4 cm dans le sol. Et on peut les semer à peu près tous les 10 cm. Donc les fèves au pied des arbres, donc là on est au pied d'un prunier, là on voit un plant de tomate, ici une chayotte qui repart et au pied des fèves. Et on voit que ça a beau être à contexte de mi-ombre, les fèves sont très belles, sont bien développées et ça va nous permettre de fixer de l'azote au pied de l'arbre sans avoir à mettre des arbres légumineuses comme on vous conseille dans tous les bouquins de permaculture et ce que je vous déconseille fortement parce que ça prend plein de place et c'est souvent des arbres qui sont pas très intéressants ni au niveau des fruits ni au niveau de la productivité. Donc quitte à faire de la fixation d'azote, mettez des haricots vivaces, mettez des fèves, des haricots vivaces comme on voit ici, là, le haricot orteil de prêcheur, qui eux vous donnent des trucs vraiment intéressants à manger. Alors là, le haricot vivace orteil de prêcheur, donc on voit qu'il a bien donné dans... Et donc il grimpe jusqu'en haut de l'arbre et il y en a un peu partout, à tous les étages. Donc là, sur le même plan, on en voit une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ici, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, voilà, sur ce plan-là, je dois avoir à peu près une quinzaine, une vingtaine de fruits. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à ajouter des commentaires, à vous inscrire à la chaîne, et si vous voulez en savoir plus, bah, n'hésitez pas à acheter mon encyclopédie de permaculture en climat tempéré, et à acheter ma formation « Créer des jardins forêts productifs » ou à venir aux formations en présentiel. À bientôt !